Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule eh bien, pour vous parler de l'archange Métatron, mais vraiment en deux mots, n'est-ce pas? Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin. Et en réalité, Métatron et son frère jumeau, Sandalmon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien Métatron a vécu sur terre comme Sandalmon. Grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous, humains, nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet ainsi de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de l'archange Métatron est le vert foncé. Alors là, je vais vous citer une prière avec l'archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient et n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain.
de mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie avec toute ma gratitude. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message avec l'archange Métatron, ce bel archange. Nous sommes mercredi 4 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais commencer par « J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. » Aujourd'hui, j'ai pigé les fenêtres, vous créez votre vie par vos pensées. Les fenêtres représentent la récolte de vos pensées. Cultivez un regard neuf sur votre vie, vos rêves et sur ce que vous souhaitez voir se dérouler au cours de votre présente incarnation. La vision de votre avenir, eh bien, repose sur les sentiments que vous portez actuellement à votre égard. Ayez des pensées positives. Je le dis souvent, hein, tout passe par la pensée, n'est-ce pas? Tout passe par la pensée. Eh bien, cette carte est le signe que vous vous êtes éloigné des autres. Vous vous êtes enfermé dans votre bulle, dans une sorte de prison dorée, de peur de souffrir de nouveau. Waouh! Ça, c'est fort. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous alimentez vos pensées avec de vieux schémas, d'anciennes blessures, des peurs et des doutes. Et à la limite, vous ignorez comment vous en sortir. Eh bien, avec cette carte, n'est-ce pas? On ne va pas aller dans le mélodrame, hein? Cette carte, c'est le moment de cultiver un regard neuf. Un regard neuf sur votre vie et sur vos rêves. Alimentez des pensées positives et sortez de votre maison. Vous savez, quand je dis au début de la vidéo, j'ai le choix de nourrir, voilà. Et en fin de vidéo, quand je dis « mets de la lumière », tout passe par la pensée. Alimentez des pensées positives et sortez de votre maison. Cessez, pour certains d'entre vous, de ruminer de vieilles rancœurs. Ça ne vous fait pas avancer, vous stagnez, vous faites du surplace. Hein? C'est un peu comme si vous aviez installé des rideaux à vos fenêtres et que vous les gardiez fermés en permanence, car vous craignez de les ouvrir de nouveau. Ce serait vous exposer au risque d'aimer une fois de plus ou d'affronter cette douleur. Pourquoi? Parce que vous ne faites pas face à ces rancœurs. Il est temps. Il est temps de prendre votre courage à deux mains. Il est temps. Il est grand temps de pardonner. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'on a lorsqu'on pardonne.
On n'est plus dans cette rancœur, on n'est plus dans cette colère, dans cette haine. Il est temps de pardonner et de vous rapprocher des autres. Laissez tomber ce voile que vous avez, laissez tomber les barrières. Et s'il vous plaît, aimez de nouveau. Aimez de nouveau. Cela peut-être, ça pourrait vous aider si vous teniez un petit journal afin d'écrire, eh bien, des affirmations positives que vous lirez tous les matins, comme je le fais moi. Arrêtez de réfléchir de trop, arrêtez de vous prendre trop au sérieux et amusez-vous, même si nous vivons une époque chaotique. Vous pouvez rire et vous amuser. Alors avec cette carte, eh bien, il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Et maintenant, je vais vous poser une question. Et vous réfléchirez à cette question. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle aventure qui vous attend? Êtes-vous prêt? Ou êtes-vous prête? Quel beau message de nouveau. Gratitude à l'archange Métatron. Je terminerai avec l'énergie de guérison, lumière divine. Je renoue avec ma force et mes richesses intérieures. Je suis lumière et je brille tel le soleil. Mon intuition me guide sur le chemin de la découverte qui fera de moi un être bon. Je suis l'expression de l'amour. Voilà. Aimer. Je suis l'expression de l'amour. Encore une fois, cette synchronicité avec la carte l'énergie de guérison et de l'archange Métatron. Rien n'est hasard, n'est-ce pas? Rien n'est hasard. Et voilà, écoutez, tout passe par la pensée. Je terminerai avec « Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. » Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. On se retrouve demain. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain. Thank you.